Nous rassemble encore ce soir. Il est un Dieu d'amour et de miséricorde. Ce qui a décidé que s'il n'avait pas voulu que nous puissions nous rassembler, nous ne serons pas ensemble dans ce lieu. Paul dit que être le mouvement et l'existence sont à lui. Le mouvement et l'existence vient que de lui. Tel que nous sommes, c'est lui. Donc, ce qui a l'unité, tout ça. S'il ne veut pas, on ne peut pas être. En tout cas, je vais prendre 45 ou une heure de temps. Je vais prendre 45 ou bien une heure de temps. Voilà, je vais prendre le temps sur ça, mais merci. Afin que nous ayons aussi le temps de prier par la suite. Vraiment, tout de suite, expliquer qui la vieillesse d'Abraham. Nous avons expliqué la vieillesse d'Abraham. Tout à l'heure, la Genèse, chapitre 24. Nous sommes toujours dans Genèse, chapitre 24. Premier verset. Premier verset. Qui est dans le 10e verset. Jusqu'au 10e verset. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Verset 22. À partir du verset 22. Verset 27. Jusqu'au verset 27. Donc, les écritures, quand tout à l'heure, il y a un cours à mardi. Les écritures que nous avons lues depuis mardi. Et à moi, toujours continuer dans mon livre. C'est à que nous allons continuer aujourd'hui. Dimanche, dans mon livre. Et nous allons continuer cela dimanche par la grâce de Dieu. Je vous demande de me suivre attentivement. Suivez-moi attentivement. Nous avons expliqué ce mariage. Il y a Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca. Il n'y a que seulement figure ou image. C'était qu'une figure ou bien une image. Et cela nous montrait que le mariage de Christ, Jésus-Christ, et son église. Comme Paul avait dit, l'époux, qu'il aime sa femme, comme Christ a aimé l'église. Ici, l'homme ou bien le mari, c'est Isaac. L'homme ou bien le mari, c'est Isaac. Rebecca, c'est encore là. Sa femme. Rebecca, c'est sa femme. Donc Isaac, là, Jésus-Christ. Isaac, c'est Jésus-Christ. On a le quoi, le fils unique qui a père. Il est comme le fils unique du père. Le fils unique qui a Abraham. Le fils unique d'Abraham. Abraham, on a le quoi, l'image de Nzambe Awa. Abraham, c'est l'image de Dieu ici. L'image de Tata. L'image du père. Oyo, a bongisi pour la moine naïe. Qui a tout arrangé pour son fils. Alors, remarquez que. Remarquons que. Abraham a le Abraham a dit à Cana là où est-ce qu'il était. Moi ça vaut mon anaté. Il n'y a pas de femme. Parce que le comportement là-bas n'a pas été dans Mokawana. Parce que le comportement de cette femme qui était dans ce pays. Était le contraire de la logique qu'avait Abraham. C'était le contraire du message que Abraham avait. Voilà pourquoi il avait demandé à son serviteur d'aller loin de son village. Dans le pays où son serviteur y va, c'est le pays d'Abraham. C'est là où Abraham était. C'est là où sa femme doit venir. Parce que Isaac aussi venait de là-bas. Sa femme aussi doit venir de là-bas. Donc moi, si Jésus-Christ là, la femme que Jésus-Christ doit épouser, c'est pas cette femme qui vient de ce monde. C'est pas celle-là qui vient de l'organisation des humains. C'est pas cette femme qui vient de la doctrine des hommes. Parce que le frère Paul dit ceci. Lorsqu'il parle à Timothée, il dit ceci. Il arrivera un temps. Les gens vont aimer la doctrine des démons. Si nous sommes de la sainte doctrine,
la parole pure. Il y a aussi la doctrine des démons. Il y a aussi des gens qui vont aimer la doctrine des démons. Paul a donné cette image à la doctrine des démons. Paul donne l'image des doctrines des démons. Les gens là vont écrire aux autres qu'ils ne mangent pas ce que Dieu a préparé. Voilà pourquoi vous rentrez dans certaines églises. Ils disent que ici nous ne mangeons pas de la viande. Ici nous ne mangeons pas telle chose. Ici nous ne mangeons pas ceci. En présence à l'église, lorsque vous êtes en présence de ce genre d'église, nous comprenons que la doctrine est une démons. Là nous comprenons que cette doctrine est une doctrine de démons. Paul a expliqué dans les Écritures. Tel que Paul a expliqué dans les Écritures. Il a dit que certaines personnes sont dans les doctrines des démons et ils vont donner des interdits aux hommes de ne pas manger certaines choses. Cependant, nous, tout ce qui vient, Paul a dit que tous les mots avec action de grâce. Tout ce que nous mangeons, nous devons le manger avec action de grâce. Parce que tu es sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Nous pouvons tout manger, il n'y a pas d'interdit. Ce que nous refusons de manger aujourd'hui, c'est sur le plan spirituel. Nous ne pouvons pas manger toute médication. Nous ne devons pas tout recevoir. Nous ne pouvons pas tout boire. Nous ne devons pas tout accepter. Tout ce que nous emmène, nous acceptons. Tout ce que nous donnons, nous prenons. Tout ce que nous devons, nous faisons. Non, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous devons accepter, nous devons voir que cela est écrit dans les Écritures. Si cela n'est pas écrit dans les Écritures, nous ne le ferons pas. Ce serait écrit chez les Bereans. Ils vérifiaient dans les Écritures ce qu'on leur disait. La femme que Isaac doit épouser, c'est sa sœur. Je commence par là. Et je vais revenir en arrière. Isaac ne peut pas épouser notre femme. Il doit épouser la femme qui vient du pays de son papa. Parce que comme Abraham venait de là, Isaac aussi venait de là-bas. Cette femme aussi doit venir de là-bas aussi. Parmi les Cananéens, elle ne peut pas être parmi les Cananéens. Mardi, j'ai parlé dans un langage clair. Moi, c'est la Kisaka Église. La femme, c'est l'Église. Ce que Bamangomba et Gosanangwe Beléawa. Il peut avoir plusieurs assemblées. Naba Kombo, Nabango, Obazana. Avec leur nom qu'ils ont. Bazanaboba Cananéens. Ce sont des Cananéens. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il va regarder. Il ne voit pas son épouse dans ses assemblées. Moi, si les femmes ont ta place, Yahouta. Sa femme doit revenir de là où il était. Sa femme doit être comme lui. Je vais donner un autre exemple pour que tu comprennes ce que je dis. Vous voyez Adam tel qu'il est. Avant qu'il épouse sa femme, il avait regardé tous les animaux. Il a regardé tous les animaux. La Bible dit bien que lorsqu'il a regardé tous les animaux, il n'avait pas vu son visage. La femme qui doit épouser, elle ne pouvait pas venir des animaux. Elle doit venir au-dedans de lui. Cette femme doit être comme lui. C'est comme ça que la femme doit être. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais prendre une écriture. Je ne voulais pas dire beaucoup de choses. On va prendre le livre de Genèse. Je veux que cette place-là, il n'y ait personne qui me comprenne, je ne veux pas être blessé. Je ne veux pas être blessé dans cette place. Nous devons comprendre que celui qui n'a pas la nature de Jésus-Christ, il ne peut pas être son frère. Celui-là qui n'a pas la nature de Jésus-Christ, il ne peut pas être son frère. Hein, mes frères. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Nous allons commencer par le verset. Comment dans le verset 20, verset 19, 20 et puis dans le verset 24. Nous allons prendre du verset 19 jusqu'au verset 24. Ok. Pasteur entend la malheur. Je vais lire, le pasteur va lire doucement. La dame à Koyoga. Suis et puis tu entends. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Okay. Et il les fit venir vers l'homme. Okay. Pour voir comment il les appellerait. Mm-hmm. Et afin que tout être vivant
porta le nom que lui donnerait l'homme. Ok. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, okay. aux oiseaux du ciel, okay. et à tous les animaux des champs. Okay. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, okay. et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, okay. et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, okay. et chair de ma chair. Okay. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Okay. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parce que ma cambo va comme avant. Arrête-toi là, pasteur, parce que ce qui est écrit là, c'est une très grande prophétie. Ne le prends pas tel que tu l'as lu. C'est texte là que tu viens d'entendre à une très grande profondeur. Il y a l'enlèvement là. Il y a l'éternité. Il y a le millénium. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses là. Donc c'est texte qu'on vient de lire. Si l'homme a quitté. Là, pendant qu'on dit l'homme va quitter, s'attacher à sa femme, il va s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Le mouvement de quitter, pour s'attacher, est devenu une seule chair. Tout cela est une marche. La marche chrétienne telle qu'elle est. Parce que véritable homme Jésus-Christ, vrai Adam, le véritable homme Jésus-Christ, tel qu'Adam, avant de venir vers nous, il fallait qu'il quitte ses parents. Il quitte le ciel. Il est venu à Jérusalem. Il a vu qu'ils ne sont pas entendus. Il a laissé Jérusalem. Il les a laissés. Il est allé vers sa femme. Vers nous. Lorsqu'il est venu vers nous, spirituellement, nous sommes attachés par lui par l'enseignement. Au travers de la parole, nous sommes attachés à lui. Voilà qu'on a dit que son corps, qui est l'église, et lui, il est comme la tête. Spirituellement, on est attaché à Christ. Spirituellement, nous sommes attachés à Christ. Mais la manifestation, voyez, par la manifestation, nous sommes attachés à Christ. Nous ne sommes pas encore attachés à Christ. Parce que quand on commence à attacher à Christ, lorsque nous serons être attachés à Christ, il a dit que période il y a fiançailles. C'est la peur, c'est-à-dire que la période de la fiançaille et lui, c'est fini. Parce que Paul a dit que Paul dit, la fiancée bino. Je vous ai fiancé. Un seul époux. Pour présenter bino comme vierge mogopie. Afin de vous présenter comme une vierge. Parce que l'Israël a dit que en Israël c'était que fiancé moi à moi. Si tu fiances une femme, il faut payer les prix. Il faut payer le prix. Tu payes le prix. Tu la laisses un peu pour qu'elle prenne le conseil. Jusqu'à ce que l'époux vienne la prendre. C'est la même manière que Jésus a fait. Il a payé le prix à la croix. Il a versé son sang. Il a fait notre rachat. Il nous a acheté. Afin que nous devions racheter. Avant que nous rentrions dans le foyer. Il nous a pas emmené dans le foyer. Il nous a laissé. Pour avoir le conseil. De notre maman, il y a ma grand frère. Que nous prenons les conseils des grands frères. Ma ministre va sauter. Lorsque les ministres prêchent, les ministres sont comme nos conseillers. Ça bisou toli. Ils nous enseignent par rapport à mon par rapport à l'époux. Ils nous disent ce que l'époux aime pour nous. L'époux aime ça. L'époux aime ça. L'époux aime ça. L'époux aime ça. Ton soyez bas. Nous apprenons. Nous apprenons le désir de l'époux au travers du ministre. Ton soyez bas. Nous apprenons tout ce que l'époux est au travers des ministres. Voilà pourquoi le message ne peut pas être du 1er au 30. Il n'y a pas l'argent. Il ne peut pas avoir un message tout le temps que sur la richesse. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. Même quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, s'il travaille, il sera toujours béni. Le message principal de l'évangile dans la richesse, c'était. Le message principal de l'évangile, c'est pas la richesse. Le royaume. Voilà pourquoi il avait dit chercher premièrement.
premièrement le royaume. La justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Ce soir, la et le tout, vous recevrez le message par la suite. De futilité. Le message de Dieu ne peut pas être dans le but dans le message futile. Que les choses mondiales. Les gens ont plus le souci de ce monde. Le cœur des gens sont remplis. Tu as un problème de mariage, le problème de 7 jours, le souci d'obtenir les biens, le souci de s'habiller, oh, c'est là. Toutes ces choses-là. Les gens n'ont plus le souci du royaume de Dieu. Les gens ont les facilités du message satanique où on ne prêche plus la repentance dans les églises. Il n'y a plus de repentance. Et pourquoi? Parce que les gens vont courir. Parce qu'ils ne vont pas supporter. Nous sommes en France. Il faut qu'on arrange un peu les projets. Il faut que ce soit comme ça. Si on dit ça, c'est ça. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Il comprend la valeur de son salut. Même si la parole de Dieu ne fait pas. Même si la parole de Dieu ne fait pas. Il ne peut pas comprendre. Parce qu'il a compris l'amour de Dieu dans sa vie. Regardez, Jésus avait scandalisé les gens. Jésus avait dit, si tu ne manges pas la chair et tu ne vois pas le sang, tu n'auras pas la vie. Les gens étaient nombreux. Il y a certains qui ont fait quoi? Ils sont partis. Chacun avait pris son chemin. Il a regardé les pierres. Il leur a posé la question. Pourquoi vous faites quoi ici? Pourquoi vous n'êtes pas parti comme ça? Écoutez la réponse de Pierre. Nous allons aller où? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Amen. À qui irions-nous encore? Parce que Yonde, toi, tu es la parole de la vie. Est-ce que vous comprenez? La personne qui s'est attachée à la parole de Dieu, rien ne peut le perturber. Il faut la prédication soit prêchée dans la société. Le message aujourd'hui, c'est le message mondial, c'est comme dans un rythme. Il n'y a que des enseignements qui font plaisir aux hommes. Il n'y a pas de prédicateur de messages comme Jean-Baptiste qui a pris le risque. Il a prêché certaines choses. Même cette histoire l'a emmené en prison. Il a prêché certaines choses. Ça l'a emmené à la mort. Les gens ne prennent plus le risque pour Jésus-Christ. Jésus dit, celui qui conserve sa vie, il la perdra. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux comprendre? Ce que nous devons comprendre, c'est cela. Alors, tard, s'il vous plaît. Regardez ici, s'il vous plaît. Si moi, si on s'attache à mon na yoana. Jusqu'à ce que l'épouse va s'attacher à son époux. C'est là où c'est le temps où nous allons rentrer dans le foyer. Mais les lots, nous allons dans le temps de conseil. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de conseil. Toujours, nous retournons entendant la parole de Dieu, c'est pour entendre les conseils. Salomon avait dit le salut. Ezali na. Le salut vient de plusieurs conseillers. Le salut vient de Ephésiens 4. C'est quand ils prêchent le message, il y a bien solo. Lorsqu'ils prêchent la vérité, et vous, nous l'acceptons, cela nous emmène dans le salut. Je ne suis pas là-bas. Regarde ce qui est important. Si je veux rester sur ce qui est écrit là, nous allons oublier ce que nous voulons prêcher. Ça, c'est une grande forêt, une forêt immense. Je sais ce que je dis, ça c'est une forêt dense. C'est ce que tu vois, c'est une forêt dense. Il y a certains qui sont rentrés dans cette forêt, mais qui sont perdus. Mais vous ne serez pas perdus. Le Saint-Esprit est là comme votre véritable GPS. Le Saint-Esprit est là comme votre véritable GPS. Il va vous donner les éléments, vous n'allez pas vous perdre. Là où il y a le ministère, les gens ne peuvent pas se perdre. Si les gens se perdent dans la forêt, ils sont en train d'oublier. Il faut comprendre qu'il n'y a pas le message, il n'y a pas le ministère là-bas. Si là où il y a le ministère, tu arriveras partout. Et il y aura la paix. Sans problème. Tu arriveras sans problème. Parce que Jésus avait dit ceci. Il a dit une chose.
Allez-y m'arranger de ça. Là où je viendrai manger la Pâque. Vous allez voir une personne avec Christ et cette personne vous envoie. Vous remarquerez que il y avait beaucoup de gens qui avaient des Christ. L'esprit les avait conduits vers celui-là que Jésus avait indiqué. Cet homme-là les avait emmenés là où il devait célébrer la Pâque. C'est celui-là qui porte la Christ. Il va vous emmener là où Jésus a dit vous serez. Et c'est là où vous allez manger. Sans problème, sans difficulté. Et nous allons manger là-bas sans problème, sans difficulté. Tel que Moïse avait vu dans son temps. Comme il avait la recommandation de Dieu. Il devait préparer là où il devait manger là-bas. Moïse aussi avait joué le rôle de l'homme qui porte la Christ d'eau. Pour nous emmener là où nous devons manger avec Christ. La loi avec mission. La loi devait nous emmener jusqu'à là où Christ devait venir. Non, 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 s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Ah, non, ça, ici je dis que moi sur ma boba là, l'épouse que l'on a épousée est la tête grande. D'Isaac. Sœur d'Isaac. Et la tête sœur d'Isaac. Place où Abraham a botama. Et la tête celle là qui est née là où Abraham était né. Parce que nous acceptons. Ceci. Là où le père est né, c'est là où le fils est né. C'est la même espèce même. Fais les silences ici. Tu vois un enfant qui est né ici. Babi ôté. On dit que son papa est né au Brazzaville, donc il est Brazzaville. Il est Brazzaville. Lui-même, il va demander sa nationalité. S'il est devant grand. Mais pour l'instant, on enregistre comme il est né là-bas au Brazzaville. Un petit peu, ils ont bien raisonné. Ils sont revenus dans la pensée des églises. Même ce que Isaac est né, comme il est le fils d'Abraham, là où Abraham est né, c'est là où il est né. Pour ne pas que les églises soient détruites. Jésus avait dit, moi et le Père, nous ne sommes que un. Je suis sorti du Père et le Père est sorti. Abraham est dans Isaac. Abraham est dans Isaac. Parce que pour Isaac, pour que Isaac soit, il fallait que Abraham y soit. Abraham a zate. Si Abraham n'est pas là, Isaac ne peut pas être. Isaac n'est pas là. Isaac est qui? Comme il est sorti d'Abraham, il y a une lui, il est là, partout il va. Azali, révélation à Abraham, il est la révélation de Abraham au milieu de tout. Il y a même dit Jésus-Christ, Père. Jésus-Christ. Alors qu'il révélation, il est la révélation de Dieu. Il ne se peut pas voir dans le monde entier. Les gens l'ont regardé. Ils ont dit montre le Père. Ah, Philippe. Il dit ah, Philippe. Depuis que je suis avec toi. Tu ne connais pas le Père. Il a vu beaucoup regretté. Il a dit, ah, Philippe, tout le temps, disons tout le temps, oui, tu n'as jamais vu le Père. Oui, celui qui m'a vu, oui, il a vu le Père. Oui, oui, et lui qui m'a vu, oui, il a vu le Père. Oui, Isaac, lorsque tu vois Isaac, oui, tu te souviens de Abraham. Oui, Abraham. Tu découvres Abraham. Oui, regarde pour comprendre. Abraham, le temps d'Abraham, il avait creusé un puits. Les Philistins sont venus. Ils ont remblé. Dans la Bible, le travail que le papa fait, c'est ce que le fils fait. C'est ce que le père a fait, c'est ce que le fils fait. L'esprit qui est dans le père doit être dans le fils. Il faut, s'il vous plaît. Il faut que ça soit dans le fils. Comme Abraham était celui-là qui creusait les fils. Comme il est bien émergé. Activité. Isaac aussi a eu que la même activité. Il n'a pas autre chose à faire. Même combo. Il va dénoncer les mêmes noms. Comme le papa avait dit. Voilà pourquoi lorsque comme qu'il a rencontré le père. Même ce papa il est venu, il a encore fait sortir. Il a surdonné les mêmes noms. Nous on dit ceci. Si tu veux une église qui marche selon l'enseignement des apôtres, il veut l'enterrement de Pierre. Il refuse de l'enseignement de Paul. Il refuse tout ce qui est écrit dans la Bible. Il commence à faire ce qu'il veut. Tu comprends qu'ils n'ont pas l'esprit du Père. Même si puisque nous sommes les fils des prophètes de Pierre, ils ne sont pas les enfants du Père. Ils ne sont pas les Isaac. Parce qu'ils contredisent Abraham. Isaac ne contredit jamais. Laisse-moi te dire.
Même si cet enseignement peut te donner beaucoup d'argent. Même si tu deviens une grande personne. Il peut te donner des avions. On peut t'acclamer. Les gens peuvent te glorifier. Si cet enseignement-là, les Paul le refusent, les Pierre le refusent, les gens le refusent, les Jacques le refusent, les apôtres le refusent, toi aussi refuses cet enseignement. Si tu le refuses, tu es sur le vrai chemin. Si tu as cet enseignement, c'est que tu t'écartes de la vérité. Si tu sors du chemin de la vérité, la clé est claire, c'est que tu ne devrais pas te reposer dans l'assemblée des morts. Laisse-moi te dire encore. C'est pas parce que ton camarade, parce que tu dis que tu travailles que au supermarché. Peut-être que tu ne travailles que dans la maison de retraite. Comme il enseigne de mauvais enseignements, il est dans l'enseignement des démons. Il y a des enseignements qui sont péchés, mais que nous n'acceptons jamais. Refuse tes parents. Comme ça, ma parole bandoki. Quand tes parents des sorciers, tes parents tu les rends des sorciers, n'aime plus ta famille, ne leur donne plus, ils sont bloqués, ça va te bloquer, la servitude, quelle que soit quoi, tous ces enseignements, les apôtres ne sont pas d'accord avec ça. Des apôtres disent si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Et puis quelque part, quelque part, Jacques dit, la meilleure religion, c'est celui-là, de prendre soin. Laissez-moi je vous poser. Moi je suis un enfant de Jésus-Christ. J'ai Jésus-Christ. J'ai la puissance de Jésus. Écoute, tu n'as pas arrêté pour que vous ne pouvez pas me bloquer. Si je donne de l'argent pour me bloquer. Non. Ce sont des enseignements diaboliques. Même si tu vois ton ami qui a ce genre d'enseignement. Il progresse, même s'il avance. Il a progressé. Laisse-le progresser. Il a avancé. Laisse-le avancer. Progresser, c'est pas avancer. Même s'il laisse-le progresser, qu'il avance. Il avance pour aller mourir. Ne choisis pas le chemin de la mort. Reste dans la parole. Reste dans l'enseignement. Parce que mon côté obéissant à la parole. Aucune personne qui a obéi à la parole. Et que Dieu l'a abandonné. Non. Aucun juste n'est abandonné. Aucun juste n'est abandonné. Dieu se souvient toujours des saints. Il se souvient des saints. Même si Mephibosheth s'était parti où? La justice, oh papa de Jonathan Salaka. La justice que Jonathan avait fait son père. Récompensé par David. Dieu l'avait récompensé par David. Mephibosheth a fait la messe. Il avait pris Mephibosheth, il avait fait asseoir. Pourquoi pas nous qui sommes? Tous ceux qui marchent avec la parole de Dieu. Silence que. Je veux que tu sois dans le silence. Tu peux souffrir aujourd'hui. Si tu souffres comme un juste. Si tu souffres comme un enfant de Dieu, Dieu va te récompenser. Un homme comme Job. Regardons Job. Il souffre. Les enfants sont morts. Demain, ce sont des animaux. Après, ce sont des corps. Il sert partout dans les corps. Même ses serviteurs l'ont fui. Regarde, écoutez le conseil de sa femme. Les femmes, elles ne supportent pas la persécution. Lorsqu'il y a des persécutions, elles peuvent faire des persécutions. Dès que les femmes ont des persécutions, elles peuvent déplacer leur époux de la vie. Écoute le conseil de la femme. Elle dit à Job. Mais. Regarde l'état où tu es. Tu sais que la fidélité. Insulte ce Dieu et que nous mourons. Oh moi si ma belle. Regardez cette femme, une mauvaise femme. Elle voulait aller faire la prostitution. Mais oui. Elle avait fait Guindumba Bobaokangaye. Si elle n'avait pas fait la prostitution, elle pousse Job pour insulter Dieu. Lorsque Dieu va s'énerver, elle va tuer Job. Après, elle est libérée. Lorsqu'elle sera libre, elle peut faire. Regardez le conseil de Job. Regardez ce que Job dit. Job dit jamais. Il dit ce que j'aime, c'est Dieu. Je suis venu dans ce monde avec Dieu. Je retourne dans la fermeté. La fermeté d'un chrétien. Circonstances, mon Dieu, comment il a voulu voir ça? Il y a des circonstances qui peuvent te diviser. Il n'y a rien qui peut te diviser de Dieu. Je vais dire une personne en ce lieu. Si ta femme, c'est-à-dire ton corps, ta chair, ton corps, ta chair, parce que nous autres, sur notre corps, on l'appelle femme. Voilà Sodome. Lorsque ça bouge, l'autre sort avec son corps. Mais la femme ne peut pas sortir de Sodome. Le corps ne peut pas sortir de Sodome. Le corps doit rester à Sodome. Si le corps
consommes le camon, si ce corps est le camon, si tu n'es pas sorti de ce corps, c'est que tu es encore attaché à ce monde. Voilà pourquoi tu aimes les choses de ce monde. Tu ne conserves mon être, tu es là. Tout ce qui sort, tu es là. Tout ce qui est à l'internet, tu es là. Tout ce que l'on peut dire, tu es là. Tout ce qui est dans ce monde, tu es là. Tout là, tu es là. Participer à ma esprit, moi, à ma vie. Tu participes avec ces mauvais esprits. Moi, dans un fait, mais la gagnons. Un enfant de Dieu doit se lever comme yo, tout ce qui est mauvais. Même si on met films, saleté, on là, ici, on des mauvais films, tu regardes. Bah, si, mais là, on like. Les femmes ont dit tu es là. On like. Tu es qui? On peut le sauter. Tu sais même pas ce que tu fais. Mais tu sais que tu es présent. Nous avons une grande responsabilité. Par rapport à mon kilo. Parce que au travers de mon kilo. Au travers de ce monde. Il faut que l'on voit Jésus. Et quand nous sommes un canal. Nous sommes un canal. Nous allons les emmener. S'ils ne se convertissent pas. Tu as un problème dans un métier. Tu as un problème avec Dieu. Parce que il est mieux que tu n'entendes pas ce qui est dit. C'est par toi que même si tu vois un ami qui achète beaucoup de choses, il n'a pas progressé. Laisse-le progresser. Il est dans leur monde. Non, si nous sommes dans notre monde. Voilà pourquoi j'ai apprécié Abraham. Dans la parabole de l'homme riche. Écoutez l'homme riche. Parce que les hommes ont un changement. Dieu avait fait un changement. Lorsqu'il était dans le monde, c'est prophétique. Mais je veux le prendre dans l'instruction. Lorsqu'il était dans le monde, l'homme riche était pauvre. C'est lui qui régnait. Il faisait tout. Voilà Lazare, un pauvre, il était sous la table. Il avait les soutiens qui se mettent à le lécher. Lorsqu'ils sont morts, tout cela a changé. Ça a changé comment? Lazare est allé au repos. Dans toute la vie. Riche, le riche, il est dans le tourment. Il est dans le tourment. Regarde comme il dit à papa Abraham. Papa Abraham, pardon. Alors, ici, il fait trop chaud, papa Abraham. Ici, je ne peux pas. Ceux qui sont en train de faire des concerts, on les attend. Il n'y a pas de problème. Ceux qui sont en train de vous mentir, montez sur le monde. On vous attend. Là, vous allez jouer ce concert dans la paix. Dans le feu. Vous avez un conseil, vous avez le jouer le monde, on vous attend. On vous attend. Parce que vous avez mis comme ça. Montez un peu la toi, ça va. Merci. Montez un peu la toi, il y a le feu, mais on ne peut pas. Et parce que ce feu-là n'est pas encore habité. Il n'a pas encore le feu. Lorsqu'il y aura le feu, nous allons voir si vous avez ce que vous dites. Écoutez l'homme riche. Papa Abraham. Il dit papa Abraham. Ici, ce n'est pas possible. Je suis étouffé. Est-ce que tu peux pas demander à Lazare? Tu peux pas demander à Lazare? Regardez son lettre. De tel qu'il envoyait dans le monde, il pense qu'un enfant, s'il va l'envoyer. Dieu avait changé. Les cadres l'ont changé. Là-bas, c'est Lazare qui est le roi. Laissez les gens régner dans leur monde. Nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. On va nous faire souffrir, on va nous taper. Ils vont nous refouler. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas les attendre de notre monde. Ils peuvent nous diriger aussi. Non, on va les diriger dans notre monde. Est-ce que vous n'êtes pas prêts? Est-ce que ce n'est pas prêt que nous allons juger? 1 à 3, à clair, tu vas juger. La Bible dit que nous allons juger. Ceux qui m'ont la chance à mon compte, c'est un roi. Si notre époux est roi, bon, mais nous sommes des reines. Nous allons régner avec lui. Si notre père est roi, nous sommes des princes. Ma princesse, ma princesse. Nous allons régner avec lui. C'est ça, mon modèle. C'est pas ça. Là. Regarde. Jusque là. Il dit papa. Qui met de ton doigt dans l'œil qui me le donne. Regardez cette audace, même là-bas. Il a oublié. Il était dans la joie. Regardez ce que le papa Abraham lui dit. L'homme riche. L'homme riche. Tu sais dans le monde, tu étais dans la joie. Tu étais bien. Lazare, là, que tu vois, il est en train de souffrir. Aujourd'hui, Lazare a commis consolé. Lazare est consolé. Je veux dire à une personne ici, un jour, Dieu va nous consoler. Il va nous enlever des larmes des yeux. Nous avons tellement pleuré. On a tellement souffert dans ce monde.
Un jour Dieu va nous enlever. Parce que nous savons qu'un jour Dieu va récompenser notre justice. Que Dieu nous bénisse. Soyez ferme, bien aimé. Un jour. Même si on sort dans ce corps. Même si on n'a pas beaucoup de voitures. Je veux dire à tous ceux qui sont ici. Vous êtes réellement des enfants de Dieu. N'exagérez pas de la folie. Il y a des voitures que nous n'allons jamais conduire. Parce que nous sommes des justes. Et nous n'allons jamais conduire. Il y a des voitures qui coûtent combien de milliards. Dieu est puissant. Je sais qu'il pense. Nous allons avoir ressenti dans ce ministère. Mais il y a des maisons ici que nous n'allons jamais conduire. Il y a des terrains que nous n'allons jamais conduire. Il y a des choses dans ce monde que nous allons jamais conduire. Nous allons les voir. Si tu veux aller au-delà de cela, il y a une parole qui t'attend dans la rue. Quelqu'un qui veut s'enrichir, il tombe dans les pièges. Tu vas tomber dans les pièges. La cupidité a beaucoup tué les gens balades. Il a détruit beaucoup de gens. La cupidité a détruit beaucoup de gens dans la Bible. La cupidité a tué beaucoup de gens dans l'histoire de la Bible. La cupidité. Les accords sont morts à cause de la cupidité. Il y a des choses dans ce monde, nous allons les voir de loin, mais ne regrette pas. Tu as ta Peugeot 505, garde-la. Tu as ta Renault, garde-la. Il y a des choses que tu regardes de cette. Il y a des choses, je te dis la vérité. Même si tu mets la foi jusqu'à la terre, Dieu ne te donnera pas. Dieu ne nous donne pas comme ça. Dieu sait que si tu donnes de la foi, ça peut détruire sa foi. Il y a des montants dans ce monde que nous n'allons jamais l'obtenir. Ne te console pas. Tu vois tellement de sommes. Lorsque j'entends certaines prédications à la télévision, à la radio, je me rends compte que ces hommes-là n'ont jamais assisté au conseil de Dieu. Ils n'ont pas de stratégie pour notre salut. Ce sont des étrangers. Ils n'ont pas assisté au conseil de Dieu. Lorsque Dieu donnait à chaque ministre d'idéologie du travail, moi tel que je suis, le fois je j'ai prié pour des gens. J'ai prié pour Omar Bongo, il est devenu président. Il ment. Moi, dans l'onction présidentielle. J'ai l'onction présidentielle. Ce qui n'a sans même pas pour la seule moi, les gars, comme président de la France. Si je prie pour une soeur, elle devient même présidente de la France. Donc, vraiment, la canette de Aokosa. Tu vois que telle personne ment. Tu vois très bien que cette personne ment. Il y a des postes dans ce monde, nous n'allons jamais les avoir. Non. Donc, ça a monté. Nous n'allons jamais. Le pasteur Armand. Tel que c'est que le pasteur Armand. Il n'y a pas si candidature de la présidence. Il a déjà fait la combattre les Angaï. La personne qui va combattre, c'est moi. Je vous dis la vérité. La parce que l'année qui est tellement bonne, il est comme président de la République. Parce que je sais que lorsqu'il sera président de la République, il va saluer ma maison Moussoussou. Il va saluer à la maison. Il va laisser le Saint-Esprit. Ça ne sera plus le Saint-Esprit. Alors, voilà, Mathieu Assani. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Celui-là qui est enfant de Dieu qui comprend. Celui-là qui est vraiment l'enfant de Dieu qui garde dans son cœur. Donc, en gardant ces choses dans son cœur, c'est là où nous allons rentrer dans le royaume. Si tu refuses ce que nous faisons, le royaume de Dieu va te revenir. Il n'y a pas de gens qui vont rentrer dans le royaume de Dieu sans la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Regarde. Dans le temps de Noé, il n'y a pas des gens. Il y avait combien de personnes? Oui, combien de personnes? Tous les hommes étaient morts. Il y a Sodome et Gomorre. Lorsque Dieu avait détruit Sodome et Gomorre, lis bien la Bible. Il n'avait pas détruit toujours deux pays. Il n'avait pas vu deux pays. Il avait détruit plusieurs pays. Lorsqu'il avait détruit Sodome et Gomorre, les petites villes qui étaient autour de Sodome et Gomorre, Dieu les avait détruites. Il n'y avait que trois personnes qui sont parties. Tu penses que Dieu a pitié de ce qui est mauvais? Le monde d'un bout à l'autre est averti par l'évangile. Le monde d'un bout à l'autre est averti par l'évangile. Cette parole doit être prêchée dans le monde entier. Il a dit cette parole doit être prêchée dans le monde entier. Et servir de témoignage. Afin que ça serve de témoignage. Alors viendra la fin. Amen.
Et dans un image, la fin approche. Et je crois que la fin est proche. Parce que dans ce monde, parce que les signes que nous voyons, l'homosexualité, tout ce que nous voyons dans ce monde, la guerre, les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, tout ce que nous voyons, cela nous montre que Jésus-Christ est prêt. Et tant qu'on est encore bien la haine prophétique. Et lorsque nous regardons un palais prophétique, Israël, Israël peut parmi ma montre et ensemble. Israël est parmi les montres de Dieu. Lorsque nous regardons Israël, nous voyons l'évolution d'Israël. Tel que ils sont là. Ça nous donne l'intention de comprendre que le Seigneur est à la porte. Parce que Matthieu 24 dit, sans qui on m'en dit, si tu vois, c'était figuier. Si tu vois l'arbre du figuier, comment ça pousse, ça va fleur. Ça commence à donner des fleurs. Ça commence à donner des fleurs. L'été est proche. Sache que l'été est proche. Il y a pas de coquille. Sache que le temps est là. On prend ça dans un lorsque Dieu dit cela. Allez, pour nous abuser, la portion Israël. C'est cela afin que nous regardions la prochaine Israël. Israël était dispersé. Il est le figuier. Il est dispersé. Il était dispersé. Mais ça passe à Guinée. Que Dieu a fait quoi? Il est en train de ramener Israël. Il est en train de rassembler Israël. Jusqu'à la frontière en 48. Les feux commencent à pousser. Les feux commencent à pousser. Les feux commencent à pousser. Si elles ont poussé, les feux poussent. Il y a pas qu'elle était proche. Let's catch les têtes. Aujourd'hui, Israël a comme la peau sans âme là-bas. Israël cherche maintenant son Dieu. C'est pourquoi nous se préparer à conséquence. Le Israël se prépare en conséquence. Pour le temple, parce qu'il y a pour construire le temps. À coup de l'âme là-bas, on parle. Parce que il va rencontrer son Dieu par le temps. Bien que nous savons que le véritable temple, ce n'est pas ça. Le véritable temple, c'est le corps d'un homme. Le véritable, c'est le corps d'un homme. Détruisez ce temple après 3 jours, je vais le rebâtir. Bah, on va prendre le temple et en sortant là. Il parlait de son corps. Dans Matthieu 12, est dit ici, ils ont quelque chose de plus grand que le temple. Il y a quelque chose de plus grand que le temple. Et là, mon Dieu, le temple, ce qui est plus grand que le temple, c'est Jésus-Christ. Celui qui vient, alors ça, la question qui a eu, celui qui a fait Dieu vient dans son corps. Non, si nous venons dans le corps, nous nous rassemblons. Nous avons compris que Dieu était en Christ. Alors, Dieu a réconcilié le monde. Il a réconcilié le monde avec nous. Comme on a désir, lorsque nous voyons ces désirs-là, nous avons pour chercher Dieu. Nous avons acheté les pierres pour construire notre temple. Nous tous en ce lieu, nous avons adoré. Lorsque nous voyons l'évolution des nations, nous voyons comment sont les nations. Beaucoup des organisations sont malheureux. Nous voyons comment des organisations sont. Aujourd'hui, nous sommes très contents avec le paquet. Nous sommes très contents de dire que l'homme va bien. L'homme se promène bien. On continue la France. On continue la France. On continue la France. Si tu n'as pas le visa, tu peux aller au Portugal. On continue la France. Tu peux aller dans quel pays? Parce qu'il y a les accords de Schengen. Il y a des accords de Schengen. Tu peux aller dans tous les pays. Nous sommes très contents. Moi aussi, je suis très content. Moi aussi, je suis très content. La terre de cependant, on se pense à la quai, nous oublions que sont à faire tour de Babel. Le monde tourne vers la tour de Babel. Ils sont à faire une seule langue. Le monde s'en va vers une seule langue. Attends, on va sur le anglais. On va sur le chinois. Tu dis pas chinois. Mais on a la capacité de s'unir. Ils ont la capacité de s'unir. Parce que l'Antichrist a travaillé. L'Antichrist ne peut pas travailler. Comme unité sur la terre. S'il n'a pas fait l'unité sur la terre. Il va fabriquer une certaine unité. Il faut qu'il fabrique une certaine unité. Il est tendre vers la tour de Babel. Le monde se dirige vers la tour de Babel. Ouvrez les yeux. Ouvrez grandement les yeux. Ce que nous disons, l'évolution de l'Internet. L'évolution de l'Internet. D'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. On se contrôle dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Nous ne savons pas que. C'est un moyen. C'est un moyen. L'Antichrist a contrôlé mon client. Parce que lequel l'Antichrist va contrôler son client. Moi, c'est bien. Nous réussissons, c'est bien. Et ça, évolution. C'est bien. Mais nous ne comprenons pas ce qui est bien. Nous devons savoir que beaucoup de frontières vont être détruites. Beaucoup de frontières vont être détruites. Les gens deviendront unis plus qu'avant. Mondialisation. Rassemblement. Faisons ceci. Tout cela, bien, merci dans mon corps. Faisons des choses ensemble. Faisons tout ensemble. Tout ensemble. C'est pas mauvais, c'est bien. Pour quelle Afrique de l'Ouest? Tu vas à l'Afrique de l'Ouest. Tu peux t'inviter à faire ces pays. On les a facilités pour avoir une seule langue. Ah, bah quoi, t'as rassemblé. Ils sont aux Ugandais. Ils peuvent rentrer sans visa. Tu peux t'arrêter quand vous êtes parlé au Mali, au Sénégal. Ils sont bien, ma vie, les autres. Tout cela, c'est bien. Tu peux rentrer sans visa. Tu vas à l'Afrique australe. Comment on appelle Sadek et Zali? Tu vois qu'il y a des Sadek. Tu vas à la Brazzaville. Tu vas à la Brazzaville. Tu vas à l'Angola. Tu vas aller partout. Tout cela, c'est bien. Parce que
frontières sont tombées. Parce que les frontières sont tombées. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui se prépare dans ces barangos? Est-ce que nous cherchons à comprendre ce qui est caché derrière? Est-ce que nous cherchons à comprendre ce qui est caché derrière? Nous ne savons pas. Ce qui est derrière, c'est la préparation. C'est la préparation. Pour que les gens retournent à l'unité et l'unité qui était là-bas. Ce qui était l'unité dans la tour de Babel, c'était à chercher qui? Et pour chercher Dieu. Dieu, on le cherche pas. Celui qui a des yeux qui tout ce que nous nous réjouissons aujourd'hui dans le monde, ça confirme le temps auquel nous sommes. Ça nous fait confirmer dans quel temps nous sommes. C'est un temps de la fin. Nous sommes dans un monde dangereux, c'est le temps de la fin. Et que chacun puisse prendre soin de lui. Mes frères, si tu regardes très bien, l'Antichrist, on est en train de l'introduire petit à petit. Les gens ne le voient pas. Depuis longtemps. Regardez le film de Superman. Il vole. Camion il soulève le camion. Il te livre la Tout ça, c'était des films bien calculés. Pour montrer que toutes ces choses-là, personne ne pourrait le faire. C'est super homme. La dernière langage dernièrement président de la République. Suivre le langage des présidents ici. Tout dernièrement, lorsqu'il est là. Dans 2012-2013, cette crise est élevée. Maintenant, c'est difficile. Alors, il faut être quand même un super homme. Il faut être quand même un super homme. Est-ce que faites attention à ce qu'ils disent? Pourquoi ils disent super homme? Je sais que le monde est Le monde est un caca. Nous sommes dans les difficultés. Il faut qu'il y ait un super homme. Il faut qu'il y ait un super homme. C'est un super homme. Lorsqu'il va chercher un super intelligent. C'est un super intelligent. C'est une manière de se préparer. C'est une manière de se préparer. Petit à petit. Pour recevoir l'Antichrist. On va constater que ces envoyés sont sur la terre. Mais n'oubliez pas que ces envoyés sont sur la terre. Ils sont en train de préparer son avènement d'une manière. L'église a le côté premier. Fausse église. Il y a des délivrances qu'on a vu. Excusez-moi. On te lève tous les amis. À 0h. On te lève avec de l'eau salée. C'est ça les femmes mariées. Après le dire, il y a une onction. C'est la prière d'Élysée. Du Dieu des yeux, la bouche rouge, la main sur la main. Et ça se passe comme ça. Et ça se passe comme ça dans beaucoup d'églises. Il y a Satan avec ma télé. Il y a des serviteurs de Satan qui sont levés. Faire que de mauvais témoignages. Mon frère, laisse-moi te dire. Le vrai serviteur de Dieu. Celui qui est l'envoyé de Dieu. Ici tombe aujourd'hui, demain tombe, après demain tombe, après tombe, après tombe, après tombe. Jusqu'à tel point que. Avant même là 90% va faire l'église. Il peut tomber avec 90% des sœurs de l'église. Peut-être un envoyé du diable au milieu de nous. Parce que jamais, que ça n'a raté. Observez bien, cela ne doit pas se faire. Tu peux tomber une fois, deux fois, on te comprend, on te connaît. On te forme. Mais comment toute une vie? Est-ce que cela devient toute une vie? Parce que sont allés, y était. Si on parle de ce passant, dis-le lui. Non, vous pensez qu'aujourd'hui, les pasteurs doivent encore porter des soutanes avec des croix, avec tout cela. C'est que c'est autant de catholiques. Ce n'est pas n'importe quoi. Tout enfant doit retourner auprès de sa mère. Afin que l'écriture s'accomplisse. Telle fille, telle mère, telle fille. Afin que l'écriture s'accomplisse, telle mère, telle fille. Pourquoi le cordon ombilical? Comme le cordon ombilical. Pour la maman, elle est le fils. N'a jamais été coupé. Sur l'enfant, ça. La finalité. Même s'il va là, il y a toujours le cordon ombilical. Il faut qu'ils retournent avec leur soutien. Ne vous détournez pas lorsque vous voyez les pasteurs avec les soutiens. C'est le problème de ce temps-ci. Mais nous gardons la parole. Gardons l'évangile. Gardons l'évangile. Voilà pourquoi la raison. Abraham a permis.
La raison que Abraham ne peut pas permettre qu'une Cananéenne soit la femme d'Isaac. Parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Ils ne sont pas de la même nature. Mon côté. Ils ne sont pas pareils. Voilà pourquoi Paul dit, ceux qui nous sont de la race de Dieu, si nous sommes de la race de Dieu, comprendre que la divinité est comparable à l'or non argenté. Si nous sommes de la race de Dieu, nous devons comprendre que la divinité n'est pas comparable à l'or et à l'argent. Voilà pourquoi Abraham, Isaac, Adam, lorsque Adam a dormi, lorsqu'on a fait sortir Ève, écoutez ce qu'Adam dit. On va l'appeler os de maison. Il n'a pas dit chair de ma chair. Lorsqu'il regarde Ève, il voit les os. Ce qui avait formé Ève, ce n'était pas la chair. Ce n'était pas le sang. C'était les os. C'était les os. Lorsque Jésus meurt, on ne peut pas lui briser les os. L'église ne peut pas tomber. La véritable église de Dieu ne peut pas être détruite. La véritable enseignement ne peut pas être détruite. Jamais. Même si on voit 90% sont perdus, elles restent dans le sang. Parce qu'elles-mêmes sont des os. Si tu n'es pas des os, tu ne vas pas aimer les os. Parce que il faut savoir que dans la puissance, elle sait quoi. Les hommes qui sont dedans de toi ont la puissance de la résurrection. Parce que Israël, attends, en Égypte. Même s'il est en Égypte, il est dans la maison de Pharaon. Lorsqu'il regarde les eaux, il se fortifie. Tel que je suis là, je sortirai. Parce que mon coeur, Jacob, Joseph, parce qu'il y a les eaux de Joseph. Joseph avait dit, je vais être enseigné dans mon pays. Tant qu'on n'a pas enterré Joseph, je ne peux pas désespérer. Parce que mon coeur, tout passe à l'espérance. Comment se peut-il que tu n'aies pas les os? Comment tu deviendras les os? Tu n'as pas la parole de Dieu dans la vérité. Comment tu seras une vérité? Tu n'as pas la sainte doctrine. Comment tu deviendras saint? Parce que la sainte doctrine a dit, la sainte doctrine montre que enseignement, l'enseignement dans auquel il n'y a pas de procédé. Microbe T. Il n'y a pas de microbe. Et ça, microbe T. Il n'y a pas de microbe. C'est là avancé encore. C'est ça avancé. Infection T. Il n'y a pas d'infection. C'est là l'enseignement, c'est la infection. Il est les enseignements que nous entendons. Il y a certains enseignements. Il y a des infections. Virus mortel. Il y a des virus mortels. Ils ont préféré mettre un le virus à sida. Je préfère que quelqu'un meure du virus. Un le virus à faux enseignement. Il meurt de la virus de faux enseignement. Un virus à sida. Celui qui meurt du virus de sida. Après, on peut masser avec l'enseignement. Il peut aller se reposer. À l'intérieur dont tu es pourri. Tu ne seras pas. Lorsque Adam ne il ne voit pas les os. Il voit d'abord les os. Il voit pas la chair, il voit les os. Parce que Adam était fait, Ève a été faite par les os. Dieu savait qu'il ne pouvait pas prendre la chair. S'il prenait la chair, elle va bouger. Parce que mon souvenir, les chers, ça se lève. S'il y a les os, parce que sur les squelettes, s'il n'y a pas d'esprit, voilà pour nous voir dire nous, pour que nous soyons la nature de Dieu. Il faut que nous soyons créés avec la matière de Dieu. Comme on avait suturé Ève, et puis on l'a créé. C'est-à-dire que yo, toi, au salamandre à Mokoua, tu as été créé par les eaux. Parce que donc au salamandre à Mokoua, comme tu as été créé par les eaux. La promesse de sortir. La promesse de la résurrection. Lorsque les Juifs sont arrivés dans le désert, ils ont vu les Égyptiens. Derrière, ils se sont devant lui. Ah, Moïse, Yopé. Ils ont dit à Moïse, toi aussi. Ils sont en train de nous dire. Nous, on était bien en Égypte. Mais quand tu nous emmènes, on est des problèmes. Est-ce que là-bas, est-ce que la mer n'est pas de tombeau? Oui. La mer avait des tombeaux. Il y avait des tombeaux là-bas. Dans les tombeaux des Égyptiens, ils sont torturés là-bas. Tu peux pas résister.
tu ne peux pas ressusciter. La promesse, elle est parce que là-bas, tu n'as pas la promesse mais de la résurrection. Mais si tu as tombé dans la cana, si on t'enterre, qui a voulu là-bas, tu vas ressusciter. Parce que la promesse, elle est parce que là-bas, il a la promesse de la résurrection. Celui-là qui est enterré en dehors de la scène d'opinion, ne peut pas ressusciter. Même si on te faisait n'importe quel veste, même si tu portes tes vestes noires, même si on est tout triste et on chante au Seigneur, même si on du Père, soldat. Et on chante. Dieu n'est pas là-bas, il est absent. Dieu est absent dans ces choses-là. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. Si on occupe la parole, si tu as reçu cette personne, tu peux pas dire. Attache la parole. Celui-là qui est os restera os. Lorsque Adam restera os. Il a compris que maintenant, elle est os. Où est la doctrine véritable? Pour être clair, l'os représente la doctrine véritable. Même Élisée, lorsqu'il est mort, lorsqu'on peut en tomber dedans, il ressuscite. Parce qu'il a touché les os. Celui-là qui touche les os ressuscite. Avancez quoi, s'il vous plaît. Il va ressusciter. Le fondement doit rendre ma casse. Parce que le fondement est fort. Si vous avez Adam en tant que lorsque Adam regarde, oh yo, celle-ci, Adam au coin d'angai, elle est hors de maison, chère de ma chair. Donc elle est moi si, je l'appellerai parce qu'elle a béni la catine. Parce qu'elle est sortie de moi. Donc église, l'église, fait dans la nécoya Jésus. L'église doit être même native la Jésus. Frère de Christ, ayant la même nature que Jésus, est sortie en Jésus. N'égale Rebecca, tel que Rebecca. Adam nécoya. Il y a Isaac. Tel que Rebecca, elle est sœur de Isaac. Parce que amour, ton mariage, il y a famille. La famille. Le mariage ne peut pas se faire en dehors de la famille. Si tu te maries en dehors de la famille, Jésus-Christ savait qu'il devait épouser sa sœur. C'est là. Attends. Abraham est en Égypte. Abraham est allé en Égypte. Lorsqu'il arrive en Égypte, il vient de Cana. Regarde le Cana que je dis. Il est allé regarder le Nord. Il est sud, à l'est, à l'ouest. Après, il a eu fil. Qu'il avait dit, c'était Dieu. Dieu. Il y a des gens ici. Ils n'ont pas compris le message de Dieu. Même par les dons prophétiques. Moi, je crois aux dons prophétiques. Non seulement dans la prophétie. Non pas seulement dans la prophétie. Tous les dons écrits dans 1 Corinthiens 14. Je crois à tous les dons tels que c'est écrit dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12. Je dis que l'église de Dieu, là où se trouve, il faut ma don spirituel. Il faut qu'il ait les dons spirituels. Je le dirai de moi. Et j'insisterai. S'il n'y a pas de dons spirituels, Dieu ne peut pas se communiquer avec nous. Nous disons que les dons spirituels, ce sont les moyens primaires par lesquels, par lesquels Dieu utilise pour communiquer avec nous. Dès que nous sommes dans cette réunion de prière, dans la prière, il ouvre ici. Dieu peut faire là. Église, il faut que ces choses-là puissent exister. Parce que il y a moins de sous ma bisou. C'est ça qui nous soutient. On va dire Satan a imité bisou. Dieu a nous a imité. Satan nous a imité. A imité son ami. Satan nous a imité. On va dire passer l'internet toi. Voyez les réseaux sociaux. Ils ont fait les réseaux sociaux. La minute où tu communiques, vous savez. Communique. A imité les dons spirituels. Il a imité les dons spirituels. Donc une manière pour imiter les dons spirituels. Une manière pour imiter les dons spirituels, c'est là. Parce que bisou. Nous. N'ayez d'abord ça va pas dans l'église. Il est loin, mais il voit ce qui se passe dans la chambre du roi. Il faut que les dons soient là-bas. Il faut qu'il ait les dons. Parce que si on va dans tête, s'il n'y a pas les dons, que mon boulot. Ah, là, c'est un problème. Parce qu'on a pas dons. Je crois. Il y a des gens qui ont des dons. Il y a un message. On lui a donné un message sur la facilité. Il aime la facilité. Parce qu'on lui avait dit que tu as dit cette année-ci, tu auras peut-être. Tu vas te marier. Tu seras béni. Il croise le même. Parce que tu m'as dit, je serai béni. Je serai sauvé. Il pense que la prophétie va venir toute seule. Il a croisé les bras. Il est sur place. Et il ne fait rien. Il va pas travailler. Non, non, c'est la prophétie qui s'en va. Il dit que j'attends la prophétie. Le prophète, il y a une attaque. La prophétie d'un jour ne passe pas. Tu vas souffrir, la prophétie ne s'accomplira pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de mouvement. Je veux que tu m'écoutes. Ce que je dis, il faut que ça s'accomplisse. Mais attention. Palper. Et prendre. Simba. Toucher. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Facilité. Ça n'a pas de facilité. Expliquer clairement. Je vais t'expliquer clairement.
Abraham, Abraham c'est Dieu qui lui a prêté. Je vais te donner ce pays. Pour ta postérité, tu seras béni, tu seras béni. Il arrive dans ce pays, il n'a pas mangé la famine. Il dit maintenant qu'est-ce qu'il fait. Il dit, il dit que Dieu n'est pas là. Ça c'était des fois que tu as dit. Dieu avant de donner, il nous écoute. Dieu ne peut pas nous donner de la facilité. Je veux que tu enlèves la pensée de la facilité en toi. Et lis chapitre 1. Et lis le livre de Jude, tout le chapitre 1. Tu lis le livre de Jude chapitre 2. Ce que Dieu a fait. Dieu participe. Il donne à Judas. Dans la Bible. Lis bien la Bible. Judas a commencé la bataille. La Bible dit. Dieu a dit, je vous ai donné la terre. Ils n'ont pas possédé cela une fois. Ils n'ont pas possédé cela une fois. Armés jusqu'au dos. Ils ont rencontré leurs ennemis armés jusqu'au dos. Ils les ont rencontrés avec des chars de fer. Israël a reculé. C'est pas Dieu qui les a envoyés. Il n'avait pas pris le pays dans la facilité. Ils ont compris. Ils ont bien compris que si tu as dit, ne croise pas les bras. Crois un peu dans la prière. Crois un peu dans les jeûnes. Cherche encore dans la sanctification. Cherche-le encore plus fort. Aime-le encore plus. Écoute encore les enseignements. Sanctifie-toi. Jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement de la chose. Ce sont les fleuves qui reculent. Ce sont les fleuves qui reculent, ne reculent pas. Tu ne peux pas venir occuper parce que je suis fatigué. Tu ne peux pas me donner les prophéties. Je ne vois rien. Tu penses que tu auras cette prophétie dans la facilité? Parce que le prophète sera dans la facilité. Notre Dieu ne nous donne pas dans la facilité. Il ne donne pas dans la facilité. Il faut que tu luttes. Il faut que tu combattes. Lorsque tu l'auras, tu puisses avoir la valeur de Dieu. Ou faire la valeur de ces choses-là. Tu n'aimes pas la facilité. Allez, Amen. Même si on t'a dit cette année, c'est à toi, tu dis cette année, c'est à toi, tu crois. Mais fais aussi un pas. Je peux te donner une instruction avant de continuer. Il me reste 2 minutes, je vais finir. Regarde. Regarde, je te donne l'instruction. Jésus les emmène dans emmène des gens dans un lieu désert. Jésus savait qu'il a fait la multiplication. Lorsqu'il les emmène dans le lieu désert, il les enseigne. Et ils n'ont pas compris. Lorsqu'il les emmène dans ce désert, il leur donne l'enseignement de la divinité. Et ils ne comprenaient pas. Une fois ils arrivent là. Ils faisaient tard. Et ils avaient faim. Et ils ont vu que pour repartir la vie, c'est trop loin. Dans cette époque, il n'y avait pas de type, il n'y avait rien. Jésus leur dit. Ils ont dit à Jésus. Regarde l'heure qu'il est. Les gens sont venus à longtemps. Mais ils n'ont rien mangé. Si tu leur laisses comme ça avec les enseignements, ils vont rien comprendre. Mais c'est comment Jésus? Regarde Jésus fait semblant. Il leur dit, vous êtes là. Donnez-leur à manger vous-même. Mais ils ont dit même si on prend 200 cycles, ça ne pourrait pas suffire pour tous ces hommes. Ça n'arrivera pas. Jésus a la question que Jésus a dit. Jésus leur pose la question, vous avez quoi? Ils ont regardé autour d'eux. Il y avait un jeune garçon. Il n'était pas grand, il devait être jeune. Il n'était pas âgé, il était jeune. C'était bien calculé. On a dit jeune. Dans le désert, ne pas l'avoir fait. Jésus voulait leur dire. Vous savez, celui qui vous a donné à manger dans le désert. Celui qui vous a donné à manger dans le désert. C'est moi. Je sais que vous êtes dans le désert. Mets-les dans un rangé de sang. Lorsqu'ils sont dans la longueur rangée de sang, c'est que la rangée a combien de mètres? 50. La largeur est 50. C'est qu'ils te montrent qu'ils ont fait un tabernacle. Parce que le tabernacle, il y a là qui sont coudés de longueur. Le tabernacle était 100 coudés de longueur. Et 50 coudés de largeur. Lorsqu'ils ont rangé de 100 et de 50, ils étaient dans le tabernacle. Donc ils attendent le pain. Donc le pain, lorsque le pain arrive, ils sont dans le lieu saint. Ils sont dans le lieu saint. C'est qu'ils sont dans le lieu très saint.
Lorsque Jésus pousse entrer le lieu très saint, c'est la lumière de Babel. Ah, ça y est déjà tabernacle. Il a déjà montré qu'il était dans le désert. Mais toi, sors dans le désert. C'est la lipa. Pour atteindre le pain. Donc, maintenant, peut-être que le message à divinité, là, ça veut dire je vous montre le message de la divinité. Pour vous montrer que celui-là qui vous a donné du pain dans le désert, c'est lui-là qui est au milieu de vous. J'ai changé son nom de forme. J'ai changé peu de forme. Mais je suis au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et toi, regarde, je ne suis pas là-bas, je suis là-bas, mais écoute, ce que j'allais dire ceci, ce qui est la fin de son pain, c'était quoi? Ils ont dit nous n'avons que 5 pains avec 2 poissons. Emmenez-moi le pain. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Dieu fait. Il est Dieu ne travaille pas dans l'abstrait. Ce qui est concret. Dieu travaille dans le concret. Tu fais quoi? Dans la formation, il y a maçonnerie. Je suis maçon. Qu'est-ce que tu peux faire? Formation, boy. J'ai pas de formation. Mais commence d'abord dans ta formation. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que je me comprends? Tu vas arracher. Je vais arracher. Je vais arracher. Je vais arracher. Il dit maintenant emmène ça. Rendre grâce et maintenant une multitude. Une multitude. C'est ça. Dieu veut aussi te rendre. Dieu veut te bénir aussi. Mais emmène quelque chose. Est-ce que je vous explique comment? Mais Abraham avec sa famille, il arrive en Égypte. Il arrive, on commence à admirer sa femme. Regarde ce qu'il dit à sa femme. Ici là tu vas dire, je suis ton frère. Ne dis pas que je suis ton mari. Si tu dis que je suis ton mari, c'est fini pour moi. Je suis ton frère. Lorsqu'il a pris sa femme, il a rendu sa soeur. Et en réalité, c'était sa soeur. Il est allé la vendre en Égypte. C'était comme s'il avait vendu sa femme. Il a vendu sa femme pour qu'il soit béni. Parce que Dieu, lorsqu'il est venu dans le monde, il a donné sa femme. Lorsqu'il a vendu sa femme, Dieu ne peut pas vendre sa femme ailleurs qu'en Égypte. Il a vendu sa femme et il est parti. En Corinthiens, c'est ça. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Christ est la femme, le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pour que Christ, il est son chef. Oui. Voilà. Il a vendu sa femme. Lorsqu'il vend sa femme, c'est sa soeur, il a vendu. Lorsqu'il a vendu, en retour, il a eu quoi? Il a eu la bénédiction et beaucoup de bœufs, beaucoup de viande. Il est devenu riche parce qu'il a vendu. Je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là. Je crois que tu vas continuer dans mon couloir dimanche. On va continuer dimanche. Bref, sache que celui qui sanctifie, nous les sanctifier. Nous sommes petites sœurs, grandes sœurs. Nous sommes grands frères. C'est-à-dire que Bisson est toi-même nature. Nous et lui, nous sommes dans la même nature. Bisson, c'est parce que la même nature. Si nous épousons, c'est parce que nous sommes dans la même nature. Lui, comme la parole. Il a fait aussi que nous sommes aussi la parole. Pour qu'une personne ait le salut, il faut que cette personne ait la parole. Voilà pourquoi Paul avait dit, vous êtes une lettre écrite. Si tu deviens la parole, tu deviens frère de la parole. Là, tu deviens frère de Christ. Tu deviens une véritable Rebecca. Lève-toi, nous allons remercier Dieu.